Bonjour frères et sœurs, en tout cas de qui nous regardons sur TV de vie et qui nous écoutons sur Radio de vie. Ce soir, aujourd'hui en tout cas, nous allons essayer de passer un moment de partage sur la responsabilité des chrétiens face à l'éducation de leurs enfants. Parce que depuis la rentrée, depuis un certain temps, nous étions un peu interpellés sur la thématique. Comment nous, en tant que parents chrétiens, nous devons essayer en tout cas d'être à notre place sur ce qui touche l'éducation de nos enfants. Et on s'est dit, en tout cas, au niveau du pain quotidien, on travaille au niveau de l'enfance, on essaye de travailler au niveau de l'international. Mais au niveau de la France, on s'est dit aussi on doit se poser un temps, sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants. Les enfants les sensibilisent par des temps d'activités ludiques, une fois par trimestre. Et au-delà de ça, on ne peut pas et que travailler avec les enfants et ne pas avoir un temps avec les parents pour se poser, se voir, apporter des réflexions sur cette thématique, se poser des réelles questions et surtout, que dit la Bible par rapport à l'éducation de nos enfants. Et de cela, en tout cas au niveau du pain quotidien, on s'est dit, une fois par trimestre, on va essayer de trouver un temps, se voir, faire une émission ou se voir aussi partager sur la thématique, écouter vos questions et essayer aussi de répondre à la lumière de la parole. Et on va se prendre en tout cas un temps. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné trois horloges. La première horloge, c'est l'Église. Par rapport à l'Église, c'est vrai qu'on sait qu'en tant que chrétien, l'enlèvement, avant l'enlèvement, on aura des signes qui vont nous l'annoncer, des choses précurseurs qui vont nous montrer que le Seigneur revient. Et comme le dit dans Matthieu 24, comme nous le connaissons, et nous sommes dans une vision où nous mettons vraiment l'accent sur la pensée de l'Église, l'état de l'Église. On a eu aussi des livres, par la grâce de Dieu, l'Église influente ou influencée. C'est les thématiques que nous abordons depuis très longtemps et que nous continuons dans cette lancée-là. Et pourquoi ces thématiques ? Ben, pourquoi l'horloge qui est l'Église ? Parce que l'Église, ça nous permet de savoir est-ce que le Seigneur revient ou il ne revient pas. Et s'il revient, par rapport à la thématique, en gros, on se positionne dans notre engagement. Et ça, je laisserai bien sûr le chant du coq et puis toutes les émissions et les temps de réunion de réveil où on rentre un peu dans ces thématiques. Comme hier, on a eu un temps de partage sur l'état de l'Église. Après, on a l'autre horloge qui est Israël. Israël où on sait comment, en fait, les signes qui vont nous montrer que le Seigneur revient. Parce que quand la désolation sera installée dans le temple, le maître reviendra. Et on sait qu'aujourd'hui à Israël, par exemple, si on a des exemples, il y a la Gay Pride, des choses qui se passent qui se montrent que, en fait, que là, le lieu saint a été souillé. Et ça, je laisserai les docteurs, les personnes qui travaillent sur cette thématique pour le développer. Moi, aujourd'hui, en tout cas, on a voulu parler de ce qui nous touche en tant que parents vivant dans le monde, parce que le monde aussi est un signe pour nous en tant que chrétiens pour savoir dans quel temps nous sommes. Le monde avec sa dépravation, le monde avec ses problèmes, le monde avec la famine, le monde avec les guerres. Et c'est dans cette thématique-là que nous allons essayer de travailler au niveau du pain quotidien, le monde. Il y a tellement de sujets sociétals que nous pouvons développer. Nous, le sujet qui nous intéresse, nous, c'est l'éducation. L'éducation de nos enfants. Et comment ça se passe aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce qui est mis en place dans le monde? Et peut-être avant que je rentre un peu en profondeur, je ne sais pas si vous avez des questions, vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, sur l'éducation dans le monde, qu'est-ce que le monde nous propose aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et déjà, quand on parle de l'éducation, notre thématique, c'était la responsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que c'est que déjà la responsabilité? On doit le savoir. Si quelqu'un a Internet, pour regarder un peu la définition de la responsabilité, on va voir aussi la définition de l'éducation. Il faut savoir qu'on ne peut pas parler de responsabilité sans on peut savoir quelle est sa définition.
En gros, une responsabilité, c'est le devoir de répondre un peu à ses actes. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder. Il y a beaucoup de types de responsabilités. Et dans. Quelqu'un peut regarder. La responsabilité, ça parle de quoi concrètement? Si quelqu'un a trouvé, il peut dire. Non, vous pouvez lire, hein, votre souci. Mais par rapport à la responsabilité, on se rend compte que on a un devoir à répondre à nos actes en tant que homme vivant sur la terre. On a cette responsabilité de répondre à nos actes sur toute conséquence qu'on peut apporter. Elle peut être civile, dit civile, dit correction. Elle peut être pénale. Pénale veut dire punition, veut dire prison. Et toutes ces choses, en tout cas, en tant qu'être humain vivant sur la terre, nous avons des responsabilités par rapport à notre posture, par rapport à notre personne. Et on va essayer de voir aussi une autre thématique par rapport à l'éducation. La définition de l'éducation, c'est quoi? Si quelqu'un peut retrouver. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la responsabilité du chrétien face à l'éducation de ses enfants. Responsabilité, on voit déjà que en tant qu'homme, nous devons répondre de nos actes parce qu'on a des devoirs et on a des obligations. Et on le verra qu'en tant que parent, même en étant chrétien, on a des devoirs et des obligations. Éducation, si quelqu'un a trouvé. Il y a un micro. Alors, éducation, art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale afin, avec une personnalité suffisamment épanouie, moyens mis en œuvre pour assurer cette formation. En gros, on voit dans l'éducation, c'est de développer. C'est de faire produire, en gros, de nouveau intellectuel, moral. Dans la vie de l'enfant, on se doit en tout cas d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que dans la thématique, là, on voit que, premièrement, en tant que parent, on a des responsabilités. Chrétien ou pas, en tant que parent, on a des responsabilités. Par rapport à ce que nos enfants vont faire ou produire, on doit répondre de nos actes. Je vais être concret. Si notre enfant frappe un autre enfant, c'est d'abord, s'il est mineur, bien sûr, c'est d'abord aux parents qu'on va aller voir. C'est-à-dire les parents doivent répondre, de savoir le pourquoi du comment. À un moment ou l'autre, il y a des, dans la société, il y a des lois qui commençaient un peu aussi à essayer à responsabiliser les parents. Et parce que si on ne le fait pas, il y a les autres personnes qui vont le faire. Si on ne prend pas le temps de prendre nos responsabilités, si on ne prend pas le temps d'apporter quelque chose au développement de la vie de nos enfants, ça soit sur le domaine moral, domaine intellectuel, domaine physique et surtout en tant que chrétien, du domaine spirituel, mais il y a d'autres personnes qui vont le faire. Et c'est de là que on s'est dit, en tout cas au niveau du pain quotidien, serait bien à un moment ou l'autre de parler, de se voir en tant que chrétien, ben, de parler aussi de nos difficultés, parce que nos enfants vivent dans ce monde. Nos enfants, à part peut-être le dimanche, on peut se rassembler, ou le samedi, ou d'autres jours de la semaine, même je n'ai pas encore vu, en tout cas dans nos structures, où la semaine, on met en place des temps de parole pour nos enfants. Et on se doit en tout cas prendre le temps, en tant que parent, même si dans mon assemblée, il n'y a pas ce temps-là, prendre le temps d'aider mon enfant à se développer, à grandir, à s'épanouir par rapport à ses valeurs. Parce que tout à l'heure, comme on disait, la responsabilité, ce n'est pas simplement aussi le fait de répondre à des actes, c'est aussi une forme de valeur. Quelles sont les valeurs qu'on peut donner à notre enfant? Des valeurs, bien sûr, on sait qu'en tant que chrétien, des valeurs chrétiennes. D'autres ont des valeurs éthiques. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants puissent, en tout cas, par la grâce de Dieu, aller loin dans leur vie?
être aussi influent. Alléluia. Parce que quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants étaient influents. Je donne simplement l'enfant de cette petite qui était esclave chez Naaman. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Esclave qu'elle était. Mais si elle n'était pas enseignée par ses parents à l'époque, ben elle n'aurait pas en capacité de répondre et d'apporter même la révélation à une haute autorité qui était Naaman. Elle était esclave, la petite. Mais parce qu'elle était bien enseignée, parce qu'on l'avait bien aidée à aller de l'avant, ben cet enfant est en cap, cette fille, elle est en capacité d'apporter la solution à une haute autorité. Quelle grâce! Alléluia! Ça veut dire, en gros, c'était le résultat de l'enseignement, le résultat de l'encadrement de ses parents. Il y en a encore plein d'autres qui ont apporté des choses comme ça. Rappelez-vous dans la Bible, cet enfant, quand il y avait la foule et il n'y avait rien à manger, il y a un enfant qui est sorti, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant aussi a sa place dans l'histoire de l'Église. Alléluia. Des fois, nos enfants, on se dit, bon, laissez-les à côté. C'est, quand ils vont grandir, ils vont répondre à l'appel. Non, l'enfant aussi peut répondre à cet enfant-là, il a répondu à l'appel. Parce que quand le Seigneur avait un besoin, tous les disciples commençaient à regarder. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Qui a quoi? Et le Seigneur va dire, ce petit garçon avait de quoi, en tout cas le peu qu'il avait, cet enfant, ça a permis de nourrir toute la foule. C'est pour cela que je me dis, mais on ne peut pas laisser à côté nos enfants. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas aussi laisser les moniteurs des écoles du dimanche, soi-disant, cette structure, bien sûr, pourquoi au niveau de la vision on a arrêté ces choses, parce qu'à un moment ou l'autre, chacun doit prendre ses responsabilités clairement, en tant que parent. Et ça fait mal quand je vois que beaucoup de ces enfants aujourd'hui, en tout cas des parents chrétiens, ils retournent dans le monde parce qu'à un moment ou l'autre, on a manqué quelque chose dans notre suivi. À un moment ou l'autre, on a manqué, on a failli à notre responsabilité, simplement. On le voit, et je le vois, même là, des fois, je le vois, je regarde même dans mon entourage, des enfants qu'on a vus grandir aujourd'hui, là, la plupart des fois, ne prient plus, ça fait mal, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a oublié aussi que nos enfants sont... Le monde aussi veut les attraper, veut les attirer, mais qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. En tout cas, c'est pour cela qu'on s'est dit qu'on va mettre un petit temps mort. Si, on verra le rythme, mais en tout cas, chaque trimestre, se voir, se poser, dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos enfants. Pourquoi? Parce que sinon, il y en a qui vont le faire. Sinon, il y a des profs qui vont le faire. Sinon, il y a l'État qui va le faire. Sinon, il y a des personnes qui n'ont pas les bonnes mœurs qui vont le faire. Et à un moment ou l'autre, on ne pourra pas dire au Seigneur que tu ne nous avais pas prévenus. Parce que, comme je dis souvent, la bête n'est pas bête. La bête va quelque part. La bête a un programme. Vous connaissez la bête de Apocalypse 13? Elle n'est pas bête. Fait semblant d'être bête, mais elle n'est pas bête. Elle va quelque part. Et il y a un homme qui va dire que l'éducation est l'arme la plus forte pour changer une nation. Et l'éducation ne commence de bas âge. Souvent on dit non, mais on laisse le temps, mais encore hier j'étais un peu avec des jeunes où on a vu grandir, aujourd'hui ils ont 20 ans, 21. Mais tu te dis, mais Seigneur, mais si on a loupé, quand ils vont grandir, c'est pas à 12 ans qu'on va faire le travail. Parce qu'à partir de 12 ans, ça commence l'âge de la conscience, et ça, c'est plus trop pratique d'eux. Et on se rend compte que cette face de l'éducation, on met ça de côté. Je me rappelle encore un moment où l'enfant qui n'est pas enseigné, je suis père de 3 enfants en tout cas, je sais que mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, des fois, il y a des moments où ils me recadrent dans le sens où il y a des choses que je veux vouloir faire ou dire. Si ça ne cadre pas, simplement pour rigoler avec eux, mais ils vont tout de suite te remettre au droit chemin. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou l'autre, nous avons essayé de faire un travail, frère. Et ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on laisse ce travail-là à des personnes d'autres le faire. On ne s'occupe plus
On le voit même, regardez la thématique qu'on en parle. Ça parle à personne. Ça parle pas aux parents. Je me dis, mais Seigneur, mais aide nos parents, parce que demain, c'est ces enfants-là. C'est un enfant, c'est un cadeau du Seigneur. Alléluia. Et ça serait dommage qu'on réponde à des actes que nos enfants vont poser. Et c'est pour cela que nous, on est interpellés. Pourquoi ? Parce qu'on travaille au niveau du pain quotidien, on a essayé de se recentrer sur le droit de l'enfant. On travaille un peu sur cette thématique. Et vivant en France, comme on parlait d'éducation, ça dépend aussi de la situation géographique. Quand on parle de la situation géographique et historique, on est en France et à un moment ou l'autre, je pense que vous avez été au courant de tout ce qui a été promulgué par-ci, par-là avant la rentrée. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'horloge qui est l'Église, Israël et le monde. Et par rapport au monde, si je veux recentrer un peu la chose, nous sommes en France et à un moment ou l'autre, on doit aussi s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Par rapport à la jeunesse, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à la jeunesse ? Ou la politique, quand on dit politique, ce n'est pas la politique politicienne. En gros, politique, c'est simplement dire s'occuper de l'affaire de la société, de notre ville. Alors, comment, dans notre ville, ça fonctionne ? Qu'est-ce que le pays met en place par rapport à l'éducation de nos enfants ? Et à un moment ou l'autre, c'est parti un peu dans tous les sens. Pourquoi ? C'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la bête n'est pas bête, la bête prépare les choses. Mais il regarde si les gens, dans leur conscience, sont prêts ou pas à l'accepter. S'ils sont prêts, ça passe comme une lettre à la poste. S'ils ne sont pas prêts, on recule. Mais moi, en tant que chrétien, je dois effectivement savoir comment faire pour aider nos enfants. Et à un moment ou l'autre, il y a des choses qui allaient passer. Je me suis rendu compte que personne n'était alerté. Même on n'arrivait même pas à faire la différence sur les deux choses entre la loi que la personne a voulu mettre en place et les injonctions qu'elle a voulu que les écoles appliquent. Vous êtes tous au courant. De toute façon, le Seigneur va dire, quel est ce prédicateur qui va donner la nourriture au temps convenable ? C'est-à-dire que je ne peux pas vous parler des choses qui ne sont pas d'actualité. On se doit à un moment ou l'autre d'être centré sur ce qui se passe et regarder à la lumière de la parole qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Et c'était quoi simplement ? Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au niveau de la rentrée. C'était des injonctions qui étaient déjà promulguées depuis 2002 au niveau de la France. C'était une loi de Madame Aubry en 2002 qui disait que effectivement l'éducation des enfants sur le thème sexuel, ça devait être promu au niveau de l'école. Et que c'était les écoles devaient aider les enfants à connaître beaucoup de choses sur le thème de la sexualité. Et par rapport à ça, ça n'inquiétait personne. Ou il y en a d'autres qui se disaient, bon, c'est un fake news. Ou d'autres qui se disaient, bon, ça se fera pas. Non, laissez-moi vous dire comment le monde aussi fonctionne. Dans ce monde, dans notre pays qui est la France, il y a des moments où l'autre, si personne ne dit rien, si personne ne fait pas blocus, les choses peuvent passer. Et quand c'est passé, c'est fini. C'est-à-dire qu'on se doit de l'appliquer. Vous allez me dire, oui, Loufiane, t'es bien gentil, le monde court à sa perte. On le sait qu'elle court à sa perte, sinon. Mais la Bible nous dit que si le Seigneur retient encore des choses dans Deutéronomiciens, c'est parce qu'il faut encore d'autres soient sauvés. Alléluia. Sinon, on serait déjà partis, frères et sœurs. Aujourd'hui, s'il n'y a pas encore l'enlèvement, c'est à cause de toi et moi. Et si le Seigneur revient, est-ce qu'il y a des enfants qui connaissent le Seigneur, dont les parents prient, vont partir à l'enlèvement ? Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que des fois, ils sont tellement nés dans ces sphères chrétiennes, si je peux m'exprimer ainsi, des fois, la plupart ne sont pas réellement convertis. Ils prient parce que papa, maman prient. C'est pour cela qu'on se doit aussi de renseigner nos enfants. Reprendre un peu les enseignements pour aider nos enfants à aller de l'avant. Et si on ne le fait pas, il y en a qui vont le faire. Et cette loi, ça a été promulguée depuis 2002, s'il vous plaît. Et toutes les personnes susceptibles n'ont pas, le gouvernement n'ont pas pu le mettre en place. À un moment ou l'autre, une personne a voulu le mettre en place. Mais je bénis Dieu, parce qu'il y en a qui ont prié. Alléluia. Et cette personne, elle a abandonné son idée. Je bénis Dieu, parce qu'il y en a qui se sont levés. Mais bizarrement, c'est jamais des chrétiens. En tout cas, je n'ai pas vu une structure chrétienne se lever et dire non par rapport à ça.
où ils se sont levés, mais ils ont tellement eux-mêmes fait des amalgames, ils ont tellement pas fait une vraie analyse qui a fait que c'est parti dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, et je le dis encore, ça va se faire ces choses. Mais le Seigneur nous laisse simplement un temps pour nous organiser. Alléluia. Pourquoi pas ouvrir des écoles chrétiennes avec des valeurs chrétiennes pour une bonne éducation de nos enfants? Ça veut dire que si c'est repoussé, on n'a pas simplement dire « Alléluia, c'est repoussé, il n'y aura rien ». Non, merci Seigneur, mais maintenant nous devons rentrer en action. Et c'est de cela qu'on s'est dit au niveau de l'équipe de faire le temps d'enseignement. Parce que le Seigneur aime les enfants, frères et sœurs. Le Seigneur aime nos enfants plus que nous-mêmes. Je tiens à le prédire. Hein. Même moi-même, là, quand des fois je dis j'aime mes enfants, mais par l'expérience, j'ai pu vivre des choses où le Seigneur m'a même recadré par rapport aux enfants. Et on le verra tout à l'heure par rapport à la parole. Dans quel sens? Mais alors, si on n'est pas alerté sur l'éducation de nos enfants et on laisse des personnes qui n'ont pas des bonnes mœurs, parce qu'on parle de l'éducation, dit éducation, dit les mœurs, c'est-à-dire que chacun va donner ce qu'il a. Et en donnant ce qu'ils ont, ben, c'est des choses en fait qu'ils vont donner, ben, c'est ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont eux-mêmes. C'est pour cela que, moi en tout cas, ça m'a encore alerté que ben, fouiller les devoirs des enfants, reprendre le temps un peu par rapport à l'école, regarder le cahier de texte, prendre le temps de faire un check-up un peu pendant le repas. Ah, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui à l'école? En rigolant, sans le brusquer non plus l'enfant. Ah ben moi, mon prof, il m'a dit ça. Ah, il t'a dit ça. Ok. Mais laissez-moi vous dire, mais avant ça, avant la rentrée, on est bah, à la rentrée, parce que ça a chauffé cette histoire. Je sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire. Cette histoire a chauffé à la rentrée, entre ceux qui disaient fake news et ceux qui ne croyaient pas. Mais on est parti, je suis parti interroger les profs, en tout cas au niveau de chez nous, et chacun a donné son avis. Que la chose est là, mais d'autres ont été clairs aussi dans leur posture. Parce que si on veut écouter une secrétaire d'État à l'égalité qui n'a rien à voir avec l'éducation, injecter les choses et que nous, on veut les appliquer, ou les écoles qui n'avaient pas cette délégation les appliquent, cela veut dire que, en gros, comme elle a vu qu'il y a des parents qui se sont levés, c'est, toutes ces choses-là ont été, je ne vais pas dire abolies, mais retardées. Bon, alors, parents chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? On doit se dire simplement « Alléluia, c'est repoussé » ou dire « Oui, c'était que des fake news ». Non, parce que nous vivons dans une société où, quand l'opinion publique se lève, les gens se retirent. Mais malheureusement, frères et sœurs, aujourd'hui, je me rends compte que dans nos convictions, on ne se lève plus, en fait, pour les choses. Et on ne se lève même pas par rapport à notre propre foi, ça c'est d'une déjà. Et deuxièmement, par rapport à des choses qui peuvent heurter nos valeurs, on ne se lève plus. On ne dit plus rien, frères et sœurs. C'est les mêmes qui vont te dire « Donner une fessée, c'est interdit. » Mais c'est les mêmes qui vont te dire « Si tes enfants font des bêtises, on va couper les allocations, on va les mettre en prison, ou les parents sont coupables. » Mais on fait comment maintenant? Si on veut suivre leur éducation, selon le monde, vous savez que donner une fessée en France, c'est interdit. Hein. Mais ces mêmes enfants, quand tu ne donnes pas fessée, il y en a qui me regardent et disent « Ah, mais il parle de fessée, c'est une cruauté, tout ça, une marque de cruauté de donner une fessée. » Selon eux, c'est une marque de cruauté de donner une fessée à un enfant. Mais après, quand l'enfant va rentrer dans une délinquance parce qu'on ne l'a pas recadré, et c'est les mêmes qui vont te dire que les parents avaient déserté, ne remplissent pas leurs responsabilités. Mais le pays où l'enfant est roi, c'est pas pratique non plus. C'est pour cela qu'il faut simplement un équilibre. Quand je parle de ça, peut-être qu'il y en a qui nous regardent dans la télé et disent « Oh, le frère, il dit de mettre une fessée. » Bon, on va prendre la Bible alors. Amen, on va commencer. Proverbe 13. Comme ça, on a dit aujourd'hui, parler de notre responsabilité en tant que parents par rapport à nos enfants. Et on se laisse guider par le Seigneur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre et puis j'essaierai de vous répondre. Amen. Proverbe 13, si quelqu'un a trouvé. À partir du verset 24.
Parce que l'éducation, apparemment, c'est une cruauté de donner des fessées. Ouais. Vous avez là qui vont me dire, oui, mais mes enfants, ils ont grandi. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ça? Et après, on va rentrer dans notre enseignement sur comment le Seigneur voit les enfants et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire par rapport à nos enfants. Proverbe 13, verset 24. Celui qui épargne sa verge est son fils, mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. Le juste mangera jusqu'à être rassasié à son souhait, mais le ventre des méchants aura la disette. C'est pas moi qui l'a dit, non ? Par rapport à la fessée, c'est pas Loufiane. En tant que parent chrétien, à un moment ou l'autre, nous devons essayer de mettre le cadre. Mais je vous vois déjà venir, mais laissez-moi finir jusqu'à la fin. Amen. Voilà. C'est-à-dire que le tuer, mais à un moment ou l'autre mettre le cadre si l'enfant ne veut pas écouter, parce que comme on a dit tout à l'heure, l'éducation c'est de l'aider à se développer, l'aider à avoir un cadre, parce que l'enfant n'a pas de cadre. On va prendre un autre passage, Proverbe 22, 15, si quelqu'un a trouvé. Les responsabilités, c'est aussi des valeurs qu'on doit donner aux qu'on doit inculquer aux enfants. Des valeurs éthiques, parce que dans chaque pays, dans chaque communauté, on vend des valeurs, mais des valeurs chrétiennes, parce que nous sommes des chrétiens. Et par rapport à notre responsabilité, l'éducation, c'est d'emmener, bien sûr, on disait tout à l'heure, d'emmener nos enfants à des bonnes mœurs, de l'âge adulte après. On peut prendre un passage, Proverbe 22, 25, si quelqu'un a trouvé. 22, 15, excusez-moi. Proverbe 22, 15. La folie est liée au cœur du jeune enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. J'aime bien Proverbe. Pourquoi ? Parce que Proverbe, il y a dans le livre des Proverbes, frères et sœurs, qui veut la sagesse de Dieu ? Qui veut la sagesse ? Voilà. Apparemment, chaque proverbe, c'est un comprimé par jour. Pour ceux qui veulent avoir la sagesse. Et comme il y a 31 livres. Chaque comprimé par jour, ça t'aidera d'avoir la sagesse. La sagesse, la Bible me dit que c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Alors, si on veut vraiment cette sagesse, on se doit de connaître un peu les écrits dans Proverbes. C'est pour cela qu'en tout cas, moi, je les mange chaque jour et ça me fait du bien dans ma façon de fonctionner. Proverbe 22,15 nous dit clairement que la folie est liée au cœur du jeune enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de cadre. C'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, c'est la folie qui revient. On va dire en gros, il se croit tout permis. Il croit que tout est dû. C'est ça la folie en fait. Ça, c'est l'enfant. Et en tant que parent, je ne peux pas que laisser faire. Malheureusement, il y en a qui disent, oui, l'enfant est roi. C'est-à-dire que le roi, c'est-à-dire qu'on le laisse tout. Mais là, la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit qu'à un moment ou l'autre, essayons simplement, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. En gros, une verge l'éloignera de la folie. Une verge lui donnera un cadre à l'enfant. Une verge l'aidera à aller. En fait, en tout cas, quand il va grandir, en tout cas, aujourd'hui, moi, je vais dire, on va être clair. Aujourd'hui, si on peut dire bonjour aux gens, c'est parce qu'hier, on avait un peu eu des verges aussi. Des petites verges. Peut-être à l'été. Voilà, ça nous a aidé. Hier, on me dit, mais pourquoi ? Mais après, quand tu regardes, tu dis, merci Seigneur. Pas plus tard encore, il y a 2 jours, je parlais avec un jeune. Quand je l'ai vu, comment il parlait à sa mère, je voulais répondre, mais le Seigneur me faisait comprendre, on a loupé quelque chose à son bas âge. Tu peux rien faire là. Dans son corps, je dis, tu peux rien faire, c'est-à-dire que c'est pas en le réprimandant qu'il va t'écouter. Il disait, donne-moi ça, il parle à sa mère, donne-moi ça. 19 ans, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Je te dis, tu me donnes. Je le regardais, je voulais répondre, faire un peu du rendez-vous. La pensée qui est venue dans mon cœur, on a loupé quelque chose dans son enfance. Et c'est pas parce que tu vas parler que ça va rentrer. C'est un autre travail que tu dois faire. Sinon, il va dire tu lui fais la morale. Et ça m'a encore interpellé par rapport à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a un grand travail. Et lui, il était païen, bien sûr. Vous voyez déjà ? Et malheureusement même dans le Seigneur. Ça peut arriver si nous ne mettons pas le cadre. Après, un autre passage dans Proverbe, toujours, 23. On a lu 23 23, 13.
J'en ai deux autres, après, on va essayer de développer. Proverbe 23-13, si quelqu'un a trouvé. Proverbe 23-13. N'éloigne pas la correction du jeune enfant. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Mmh. Tu le frapperas avec la verge et tu sauveras son âme du Sheol. Ça, c'est l'éducation, en fait, les valeurs que le Seigneur nous donne en tant que chrétien pour aider nos enfants, l'épargner même de l'enfer. Sheol, là, c'est l'enfer. L'épargner du lac de feu. Il lui demande de mettre un cadre. Il lui demande à l'enfant l'aider à aller de l'avant. Mais le monde nous dit, non, il ne faut pas frapper ton enfant. Même une fessée, alors que la fessée, pour ceux qui, voilà, qui ont grandi avec la verge, la fessée même c'était gentil. Mais on est dans un pays où tu n'as même pas le droit de donner une fessée. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais Loufiane, il n'y a pas que ça dans l'éducation. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais je voulais simplement vous mettre un petit parallèle par rapport à ce que le monde propose et à ce que le Seigneur propose. Et pour finir, toujours par rapport à cette verge, Proverbe 29, 15. Proverbe 29, 15. Mmh. La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ah. La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même. Combien d'enfants sont livrés à eux-mêmes, même de la chrétienté? Combien d'enfants, même quand ils viennent aller dans nos assemblées, s'ils osent parler, là, tu casses l'onction, tais-toi. Combien d'enfants, on ne prend pas le temps de leur donner même la parole? Un spécial temps où, effectivement, on dit que l'enseignement, c'est donné à tout le monde. Mais à un moment ou l'autre, on doit prendre le temps pour nos enfants, parler comme eux, les aider à croître, et les écouter aussi, écouter leurs difficultés. Alléluia. Dans l'église et surtout à la maison. À la maison. Parce qu'il dit que l'enfant qui est livré à lui-même fait honte à la famille. Moi, je le crois. Non, il y en a qui vont dire, oui, mais si le papa, il fait trop les missions. Quand je préparais ça, il y avait une pensée qui me revenait à la tête. Ouais, mais si le papa, il part beaucoup en mission, il n'est jamais là, comment ça va se passer, Loufiane? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs, qui sont en mission. Mais la Bible dit quoi? Philippe, c'est un évangéliste ou pas? Non, avant, c'était un diacre ou pas? Il bougeait par-ci, par-là ou pas? Il est parti même faire un séminaire en Samarie pendant plusieurs mois. Vrai ou faux? Mais la Bible me dit, dans Actes là-bas, les sept filles de Philippe prophétisaient. En fait, ce n'est pas histoire d'être là ou pas là. C'est simplement histoire de connaître et de craindre Dieu et d'apporter ce qu'on peut apporter à nos enfants. Et Dieu mettra le cadre au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il le faut. Il le faut. Et on ne peut pas savoir, en fait, frères et sœurs, comment Dieu voit les enfants, c'est... Un moment ou l'autre, le Seigneur a même réprimandé les apôtres, comme je disais l'autre fois, aux frères et sœurs à Créteil, que le Seigneur a rudement réprimandé les apôtres parce qu'ils ne prenaient pas soin des enfants. C'est quand la Bible nous dit le verge, c'est pas simplement pour le... C'est pas, je ne vous dis pas, oui, il faut frapper l'enfant, non. C'est quand, bien sûr, et vous allez voir, hein, un enfant, quand il sait qu'il a tort, quand tu le réprimandes ou tu le corriges, je dirais, il va pas trop vous bouder. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il ne va pas trop vous en vouloir. Parce qu'il sait que c'est une correction à la faute qu'il a pu faire. Mais un enfant qu'on va réprimander simplement comme chez nous, là, des fois dans notre, excusez-moi, dans notre culture humaine, je dirais, quoique Jérémie dit que les cultures des hommes, ce n'est que vanité, dans Jérémie 10:3, mais notre culture humaine, c'est que on a une culture où l'enfant, on le traite du matin au soir. Tu es bête. Tu ne vas jamais réussir. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour t'avoir. Il y a des phrases comme ça. Non, vous rigolez. Vous avez jamais entendu ça? Comment voulez-vous que l'enfant se construise, se développe avec moralement avec des paroles comme ça et intellectuellement le dit que tu es bête? Parce que moi, je dis encore, je préfère que tu me frappes de la verge, ça passe, mec. Il y en a qui boxent avec les mots. Il détruit son enfant avec les mots. Tu es bête. Voilà. Tu vas jamais réussir. C'est-à-dire, même l'enfant, on lui dit à l'école, toi, on lui dit même à l'école, pour toi, ça sert à rien.
Alors le prof va dire 5 plus 5 égale 10. Non, 5 plus 5 égale combien? L'enfant, il sait qu'il égale 10. Il va vouloir lever la main, mais il va penser aux paroles de ses parents. Il va baisser la main. Vous voyez notre responsabilité, frères et sœurs? Il a la réponse. Il veut lever. Mais papa, il a dit que je suis bête. Je baisse. Et c'est ça que nous développons dans la vie de nos enfants. L'enfant est intelligent, l'enfant est capable, mais parce que papa, il y a aussi des mamans, voilà, on est tous pareils, nous. N'a pas ce sens d'aider l'enfant à aller de l'avant, l'encourager, lui dire t'es le meilleur. Je me rappelle un jour, j'étais en mission dans un pays en Afrique, j'ai déjà commencé, bref. On dormait à côté d'une structure et on était collés à des maisons de palais. Frères, sœurs, chaque matin, même des fois je pense que c'était là-bas, ils se lèvent tôt, 6h du matin. Quand la personne se lève, c'est partout. Chaque matin, on entendait. Quand je traduis en français, ça sonne pas tellement. Je vais te dire ça un peu dans la langue de la personne. Yo, t'es trop bête! Pourquoi t'es... Chaque matin, je comptais, je dis, en fait, comme si c'était le coq qui me réveillait, en fait. Pour réveiller l'enfant, c'était que ça. Et comment voulez-vous que l'enfant, après, ait confiance en lui? Et si on ne fait pas attention, cet enfant-là aussi va développer. J'ai connu aussi un ami qui était très fort à l'école. Même à l'époque, je me rappelle, en étant en CM1, lui, il tournait vers les 16, 18. Moi, je tournais voilà, dans les notes que j'avais. Hein. Et je l'envoyais dans les coulisses un peu. Mais son beau-père le traumatisait. Chaque fois, tu ne sers à rien. Mais moi, je sais qu'il servait à quelque chose parce qu'on était dans la même classe. Je voyais qu'il était très brillant comme enfant, comparé à nous-mêmes. Mais tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Femme 2, tu ne sers à rien. Pourquoi même tu vas à l'école? Tu es grand pour rien. Moi, je pouvais lui dire même dans mon cœur, il faut même le dire à moi, mais au lieu à lui, là, je ne comprends pas. Parce que lui, il ne mérite pas ses paroles. Mais je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, alors, dans les temps qui ont couru, mais il a dû faire plusieurs fois la prison. L'école, il a dû le laisser. Parce qu'on l'a dit qu'il ne sert à rien. Vous vous rendez compte? Notre responsabilité, parents, par rapport à la vie de nos enfants? Nous-mêmes, nous détruisons ce que nous devons semer. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on espère récolter dans la vie de ses enfants. Alléluia. J'ai parlé des verges, mais des paroles aussi. Même là, je pense que Jérémie il disait que ils veulent me tuer avec leur langue. C'est-à-dire que la langue, ça détruit plus même que de donner des coups. Il y en a qui vont dire, ouais, les coups. La langue détruit encore plus. Parce que ça reste. Ça reste marqué dans le cœur de l'enfant. L'enfant, il sait qu'on ne l'a jamais dit que tu as des potentialités. On ne l'a jamais dit que tu peux aussi réussir. C'est peut-être pas grave. Oui, tu as fauté, c'est pas grave. Mais reprends-toi. Et comme on ne reproduit que ce qu'on a eu, mais lui aussi, à son tour, ne pourra pas reproduire ça à ses enfants. C'est pour cela que le Seigneur, on a réellement... Quand des enfants qui vivent ça, ils ont réellement besoin d'une réelle restauration du Seigneur parce qu'après vient un esprit, comme on appelle ça, de rejet. L'esprit de rejet peut engrainer derrière un démon guerrier. Un démon guerrier, l'enfant n'est que sur la défensive. Même si tu ne l'as rien fait, tu vas lui dire quelque chose parce qu'on l'a habitué à ça, il va vouloir se défendre. Et c'est de notre responsabilité, frères et sœurs, en tout cas en tant que chrétien, au-delà de ce que, si vous ne le faites pas, l'école va l'apprendre des choses, comme on le disait tout à l'heure. Mais moi, je veux un peu dire, en gros, le Seigneur aime les enfants, frères et sœurs. Et je tiens à le dire au-delà même de nous-mêmes. Le Seigneur aime les enfants. Regardez, Éphésiens 6, avant de donner un exemple que j'ai vécu il y a quelques jours là. Éphésiens 6, verset 22, si je me trompe pas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport aux enfants? Éphésiens 6, 1 et 4.
S'il y a des questions, vous m'arrêtez, hein, pas de souci. Oui, une question. J'avais une question, et c'est pour que tu peut-être me dis si c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que on peut juste dire, le frère Loufiane dit de fisser les enfants, c'est tout. Mais moi, je comprends dans ce que tu dis qu'en fait, à l'enfant, il faut lui donner un cadre, donc des limites, genre une façon, l'éducation en soi, dans lui dire, voilà, ici, tu ne traverses pas cette ligne-là, tu ne fais pas ça, et si tu dépasses cette ligne, je te corrige pour te ramener dans la... Dans cette ligne-là. Dans le bon cadre, en fait. Et dans ce que moi, j'avais compris avant, parce que moi, dans notre culture, en fait, les parents, tout de suite, nous faisaient, en fait, c'était... Des fois, tu recevais même une baffe sans savoir pourquoi est-ce que tu as reçu la baffe. Non, mais dans ce que je comprends, c'est enseigne l'enfant, dis-lui, ça, tu ne touches pas parce que c'est dangereux, tu ne fais pas ça. Et dans sa folie, parce que je vois avec les enfants testent beaucoup, tu lui montres que s'il dépasse cette limite-là, il va être corrigé. Je ne sais pas si c'est... Si, c'est ce que tu... C'est ça, c'est que si on ne met pas le cadre, on l'a dit tout à l'heure, un proverbe nous dit que l'enfant, déjà dans son esprit, c'est la folie en fait. C'est-à-dire qu'il se croit tout permis. Et vous allez voir, si on veut parler de besoin de l'enfant, un enfant de 6, 12 ans, il sent déjà toujours dans la confrontation, dans le non. Dès que tu lui parles, non. Vous allez voir, c'est les... Après, il y a des personnes comme Madame, des pédiatres comme Madame Dolto qui ont fait ces expériences-là pour connaître un peu la connaissance, les caractéristiques de l'enfant. Par rapport à certains âges, filles, garçons, ils ont des besoins et ils ont aussi une façon d'être. Mais maintenant, nous, en tant que parents, on doit aussi le savoir que à cette tranche d'âge-là, comment l'enfant se comporte. C'est une généralité. Vous allez me dire peut-être mon enfant n'est pas comme ça, mais dans cette généralité-là, il y a des aspects qu'on peut retrouver nos enfants pour nous aider à aller de l'avant. Et si on met pas ce cadre, c'est pas pratique pour eux parce que demain, ils vont se croire tout permis et ils risquent aussi de poser des actes qui peuvent leur causer beaucoup de tort. Ces torts-là, ça sera, après, comme on disait tout à l'heure, la responsabilité pénale, si c'est un mineur, c'est les parents. Alors, les parents, ils ont une responsabilité après. Et c'est pour cela qu'on se doit de mettre un cadre. Maintenant, dans ce cadre-là, comme l'homme a toujours l'excès. Là, je vais venir. Ne vous en faites pas, je vais pas finir. Voilà, là, j'ai dit le cadre. Comme l'homme a toujours l'excès, l'apôtre Paul va nous aider. Dans Ephésiens 6, verset 1, dans notre cadre qu'on veut mettre dans l'enfant, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ? Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant, en les avertissant dans le Seigneur. D'abord instruire, après avertir. Comme dirait un dicton, ce qui n'est pas dit n'est pas su. Tu ne peux pas tout de suite mettre une gifle à l'enfant si tu ne l'avais pas dit. Parce que effectivement, on a eu dans notre enfance, on a pu vivre avec des rois lions à la maison. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivaient, tout le monde doit fuir, voyez. Parce qu'on sait que lui, il parle pas. Lui, il enchaîne. Dès qu'on voit la voiture, va commencer à se garer. Bouf, l'enfant il part. Mais tu sais pas quand l'enfant fuit, là, t'es content. Mais tu sais pas ce que l'enfant a vécu de la journée. Alors comme il te fuit, il ne pourra pas te raconter. À un moment aussi, ça m'est arrivé, mes enfants, quand j'arrivais, ils fouillaient. Je dis non, Seigneur, je refuse ces choses au nom de Jésus. Et j'ai revu ma façon de les éduquer. Alléluia. Parce que je ne dis pas de devenir un tyran. C'est-à-dire, dès que le papa il arrive, tout le monde fuit. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vécu, nous on l'a vécu en tout cas. Dès qu'on voyait la voiture qui arrivait, oh. Dès que ça rentre, tout le monde se cherche. On laisse les télécommandes, on laisse tout. Tout en pagaille, on fuit même. Parce qu'on sait que le roi lion, lui, il parle pas. Il rougit, c'est noir. Et voilà. Non, c'est pas ça. Oui, ma soeur. Si. La soeur, elle disait... Oui. Non, c'est bon, tu peux parler.
Et ça, je trouve, c'est un petit peu triste parce que les enfants sont en attente. Des fois, ben, ils sont tellement excités quand ils sortent de l'école, ils ont tellement de choses à dire. Mais vu qu'on est tellement dans nos problèmes, dans nos stress, ben, finalement, ben, on ne les écoute pas. Et au moment où, par exemple, ben, on est disponible, ben, eux, ils ont envie de dormir ou des fois, ben, ils vont nous donner le strict minimum de ce qui s'est passé. Merci, ma. C'est aussi le problème, aussi, surtout des parents. Merci, ma sœur. C'est pour cela qu'on prenait cette thématique. Les deux parents qui travaillent, l'égalité, c'est pas de souci. On est tous dedans. Si on aime nos enfants, il faut se donner un cadre. On est, pour ceux qui, voilà, vous allez me dire, il y a des familles qui sont des parents qui sont monoparentales, c'est pas toujours pratique. D'autres qui sont divorcés, qui sont chrétiens. On doit trouver l'équilibre pour tout le monde. En tout cas, on doit se donner le temps. Je dis même, on doit se donner le temps. Nous-mêmes qui servons, je disais tout à l'heure, on essaye de servir Dieu. Hein, on se donne un temps. Je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui, parce que mes enfants, voilà, je me laisse lundi et jeudi, en tout cas pour eux, avoir un temps pour eux. Même une heure, il faut. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Moi, je dis personnellement, par rapport à toutes les polémiques qu'il y a eu ces vacances, ça m'a aidé aussi. À un moment ou l'autre, on doit se remettre en question. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fait. Si, il y a des autres qui le feront. Les animateurs, on ne connaît pas leurs mœurs. L'école, on ne connaît pas les mœurs du professeur. La rue, pour ceux qui habitent dans des quartiers populaires, ce n'est pas facile. C'est pour cela, chacun de nous, chaque parent, doit se donner un temps. Aujourd'hui, j'ai un préado chez moi, je peux juste ne pas faire ce que je faisais hier. Me forcer. Et aujourd'hui, on a vu, madame, le mercredi, elle a un mi-temps. Ce n'est pas pratique, j'ai dit, voilà, on ne peut pas généraliser les choses, mais on se doit de se donner un cadre, parce que ça va tellement vite. Le mien, il était bébé hier, aujourd'hui, bientôt 14-15. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et si on ne se donne pas le temps, après, il ne faut pas reprocher à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne se donne pas le temps, il ne faut pas reprocher à Dieu. La Bible est claire. La Bible dit que parent, père, instruis ton enfant et avertis-le. Et surtout, ne l'hérite pas. Ça, c'est le point qui m'intéressait. Parce que j'ai donné la verge. Mais la verge, là, si c'est mal géré, on peut hériter les enfants. Parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me corriges? Oui. Non. Elle parle, et puis je vais essayer de reposer la question. Comme ça, c'est bon. Ouais. Ok. La sœur disait que est-ce que ça joue sur l'irritation à force de répéter? Après, moi, je crois qu'on a le Saint-Esprit qui est le meilleur maître dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous aider à éduquer nos enfants. Le Saint-Esprit te dira quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Je vais donner un exemple. Un jour, je répétais. Mais j'ai dû mettre une fessée. Et dans la fessée, le Seigneur m'a réprimandé. Et j'ai dû, après, laisser le temps pour aller demander pardon au petit. Bon, je crois que le meilleur conducteur de nos vies, c'est le Saint-Esprit. Si nous sommes connectés au Saint-Esprit, il nous aidera à bien éduquer nos enfants, au-delà de tout. Et à vrai... par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je devais l'emmener au foot. J'ai dû finir le travail tard parce que j'avais des réunions, j'enchaînais réunion sur réunion. Même pas le temps aussi d'avertir madame pour qu'elle puisse reprendre le relais derrière. Voilà, j'arrive à la maison, l'enfant il boude. Parce que je l'avais promis. Mais je l'ai hérité. Le fait que j'avais dit j'allais l'accompagner, mais je ne l'ai pas accompagné, je l'ai hérité. Mais je ne dois pas lui dire ben, c'est quoi ton problème, pourquoi tu boudes, allez, encore une gifle. Non ! Pardonne-moi. Excuse-moi, la prochaine fois, je prendrai le temps de t'emmener, mais vraiment, c'était involontaire. Tu l'expliques. Et là, il comprend, et il m'a pris dans ses bras, il a dit, t'inquiète pas, papa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une responsabilité. N'est pas parce qu'il a boudé, il a boudé parce que tu l'as hérité. Mais là, quand il va bouder, pourquoi tu boudes? C'est toi qui donne la maison, c'est toi qui paye le loyer ici, on a tellement entendu ça. C'est toi qui paye le loyer ici, hein? C'est toi? Oh, mais où est l'histoire de payer le loyer et éduquer son enfant? Non, ça nous rappelle des souvenirs. Que Dieu nous aide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je l'ai hérité, je demande pardon. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu voit les enfants. On ne sait pas comment Jésus voit les enfants. C'est pour cela qu'on s'autorise beaucoup de choses dans la vie de nos enfants.
Dernière question, je vais essayer d'avancer. Dernière question à faire, oui. Ah, micro. Ah. Ok. Merci. Mmh. Du fait, en fait, d'irriter les enfants et de répéter forcément tout le temps les mêmes choses, des fois, on se demande aussi en tant que parent à quel moment ça va rentrer, en fait. Même si ça ne veut pas dire forcément qu'on lui dit de façon méchamment, mais j'ai l'impression, en fait, qu'en tant que parent, on est tout le temps forcé de répéter. Donc, à un moment donné, on se dit, mais à quel moment ça va rentrer pour ne pas répéter toujours les mêmes choses? Et pourtant, l'enfant connaît ce qu'il y a à faire, en fait. C'est en répétant que l'enfant apprend aussi. C'est une réalité. Mais maintenant, ce qu'il faut se dire, ma sœur, Dieu est capable. Quand il dort, là, tu imposes les mains au nom de Jésus. Mais papa, tu fais quoi? Non, je te caresse, ça va, dors. Rakaba chaka père, oh non, je renverse ces choses. Je l'ai vu qui? Je l'ai vu et je le vois. Oh, ah, là. Tu imposes les mains à tes enfants quand ils dorment. Après, il faut prendre autorité. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il ne faut pas les hériter gratuitement. C'est important. Et on a tendance, nous, à les hériter. Moi, je témoigne de ce que je vis. En plus, j'ai 3 gars. Oui. Voilà, c'est-à-dire c'est du sport. Mais je me dois de ne pas les hériter. Quand un jour, je vais les hériter, parce que souvent on dit le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour montrer qui est faux, qui est sorcier, qui est truc. Le connaître la Bible, le Saint-Esprit, c'est une vie. C'est Dieu lui-même qui nous aide à marcher dans la vérité de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Sur tous les plans, premièrement, déjà ta famille. C'est pour cela qu'à un moment ou l'autre, Jésus était fatigué. Il a dit, bon, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons Dieu. La famille. Il a communiqué les choses. Je bénis Dieu, on vous parle d'éducation sexuelle, tout ce que vous voulez, pas de souci. Mais laissez-moi vous dire que dans la maison des Lot, la Bible me dit que ces filles, elles étaient vierges. Ça veut dire que même quand c'était paganisé à Sodome, dans la maison des Lot, il y avait la crainte de Dieu, alléluia. Ça dépend de toi, parent. Ça dépend pas du quartier, ça dépend pas de la ville, ça dépend pas du pasteur, ça dépend de toi. Lot a su gérer ses enfants chez lui. Non, parce que tu habites dans un quartier, nanani, tes enfants. Comment moi j'habite? Où je suis là? Où gros mot va sortir dans la bouche de mes enfants? Pourtant, je sais que dès qu'il franchit la porte de la maison, c'est gâté. Par la grâce de Dieu, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, peu importe les circonstances. Mais tant que le Père remplit bien sa mission, quand les parents remplissent leur mission, je crois que nos enfants peuvent vivre dans la crainte de Dieu au nom de Jésus. Mais si les parents sont démissionnaires, si les parents disent non, c'est l'école du dimanche pour certains quand on est dans les systèmes, ou non, c'est tel ancien qui va l'enseigner, laisse tomber, tu perds même ton autorité. Sinon tu vas faire comme les autres, les super nanas qui viennent à la maison pour gérer nos enfants. C'est quoi cette histoire? Tu sais même pas qu'est-ce qu'elle a comme vécu super nana, tu sais pas qu'est-ce qu'elle dit, donc, et super nana va venir à la maison. Je dis quoi? C'est parce qu'à un moment ou l'autre, nous n'avons pas su c'était quoi notre rôle en tant que parents. Beaucoup de parents sont démissionnaires. Oui, non, mais quand il va grandir, il va faire son... Arrêtez d'écouter le monde. Quand il y a un proverbe africain qui dit « Il faut tout un village d'enseigner tes enfants. » Moi, je ne connais pas tes mœurs, tu vas venir enseigner moi. Quel enfant? Quel village? Ouais, non, les tantes... De toute façon, moi, je dis là où je dors, il y a mes enfants. Seigneur, au nom de Jésus, jusqu'à leur mariage, où je dors. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me dis, Seigneur, on se doit d'aider. Oh non, je vais aller en colonie. Oh, on n'oblige personne. On n'en fait pas une loi. Je parle de moi-même. Colonie de vacances avec papa. Je manque de pour papa lui-même, il est directeur de structure. En gros, il met ça en place. Si il y a ça là, avec son équipe lui-même, va dormir là-bas. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, les laisser partir comme ça? Pardon. Tu vas aller visiter l'Europe, on va aller avec papa. Tu vas aller visiter le monde, on va aller avec papa. Jusqu'à quand tu apprends ton autonomie, tu pourras. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont... Il y a une dépravation des mœurs à un tel niveau, je n'ai pas envie de pleurer. Je n'ai pas envie de regretter. Parce qu'en enfance, quand l'enfant est marqué de certains trucs, si surtout qu'avec les parents, ils ne parlent, n'ont pas eu l'habitude de parler, l'enfant peut garder pour lui. Et quand il grandit,
ça peut faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Dieu aime les enfants. Jésus aime les enfants. Regardons dans Marc 9. Je vais essayer maintenant de donner un petit enseignement. On va continuer un peu un enseignement pour dire que pourquoi l'apôtre Paul a dit de ne pas irriter les enfants. Il a dit oui, il faut les recadrer. Il va dire aux enfants, obéissez à vos parents. Mais vous, parents, ne recadrez, n'irritez pas les enfants. J'apprends moi-même à ne pas les irriter jour après jour, par sa grâce. Parce que Jésus aime les enfants, frères et sœurs. On ne se rend pas compte de l'amour de Jésus pour les enfants. Regardons. Marc 11. Quelqu'un a trouvé ? Marc 10, 14 même. 10, 14. Je vais lire, comme ça on va aller vite, sans dérangement. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas comme un petit-enfant le royaume de Dieu, il n'y rentrera pas. » Après leur avoir dit, il prit entre ses bras, il les bénit, et les imposa les mains. Voilà, je parlais tout à l'heure d'imposer les mains, c'est très important. Et on va prendre un autre passage dans Matthieu 19, verset 14 et Luc 18, verset 16. C'est un peu le passage qui est. C'est le même passage, mais sur d'autres contextes. Parce que les trois ont parlé de ça, mais vous savez, si on donne trois témoignages dans l'évangile, c'est qu'il y a toujours des raisons. Luc. Si quelqu'un a trouvé Luc 18, verset 16 et Matthieu 19, verset 14. J'ai besoin de me lever. Ok, quelqu'un a trouvé Luc 18, 14. Luc, verset 18, chapitre 18, verset 14. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. 16, excusez-moi. Okay. Luc 18, verset 16. Mais Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ok. Luc va donner un peu, en tant que médecin, on sait que dans l'évangile par rapport à Luc, Luc a toujours cet aspect de montrer Jésus en tant qu'humain. Et en tant que médecin, il va dire en grec, en fait, l'enfant, c'est prévos. Prévos, en gros, qui donne bébé. Et dans Matthieu, Marc et Matthieu vont donner en grec, en fait, l'enfant, là, et donc, qui donne jeune enfant. En gros, jeune enfant, la bébé, on met 0 à 3 ans. Jeune enfant, on donne 3 jusqu'à 12 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh là là, micro. Je disais que Luc, en tant que docteur, ce mot de enfant, en grec, ça donne prévos, qui donne simplement bébé, de 0 à 3 ans. Et Marc et Matthieu, ça va donner jeune enfant, en gros, paydon. Dans tout ça, on se rend compte que le Seigneur, quand il disait vraiment « laissez venir à moi les enfants », il parlait de ces tranches d'âge-là. Et les apôtres, à un moment ou l'autre, parce qu'il y avait une discussion que le Seigneur avait avec les disciples. Les enfants vont venir et à un moment ou l'autre, les apôtres vont vouloir bloquer les enfants. Arrêtez de nous déranger. Laissez-nous tranquilles, parlez entre les grands. Ça ne nous arrive pas, ça, dans nos assemblées, quand on fait nos cultes. C'est comme s'il n'y a plus la vie. Dès que les enfants veulent bouger, bouge pas. Attention, fais pas ça. Ne parle surtout pas quand le pasteur parle. Il n'y a plus la vie. Or que là, on voit que c'était de bébés. Le Seigneur prenait soin des bébés. Avait dit, laissez venir à moi les bébés.
Laissez venir à moi, les enfants. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 12 ans, après, c'est l'âge de la raison. Frère, la responsabilité qu'on a c'est de nos enfants, c'est de 0 à 12 ans. Si on n'a rien fait comme travail, après, ça sera dur. Alléluia. Laissez-nous, entre parents, parler entre nous. Les enfants, ils ont voulu arrêter, bousculer les enfants. Et la Bible dit que Jésus fut indigné. En gros, Jésus fut en colère, énervé, parce qu'on n'a pas laissé les enfants venir à lui. Mais c'est bizarre, Jésus, mais tout de suite tu t'énerves, il y a quoi ? On peut se dire ça, non ? Mais Jésus, oh, mais Jésus, bon, Jésus, au temple tu t'es énervé. Enfin, apparemment, on m'a dit que tu t'énerves pas tout le temps, mais au temple, l'autre fois tu t'es énervé parce que les gens vantaient, il y avait un peu, il y avait plus la vie de prière. Mais là, quand Jésus, tu t'énerves, on peut dire, c'est pour des petites choses comme ça. Quand mon Jésus s'énerve quelque part, c'est parce qu'il tient à cœur cette chose. Alléluia. Et pourquoi Jésus s'est énervé ? Là, on voit en fait que déjà ce qui a énervé Jésus, c'est que dans le contexte, la discussion des apôtres, c'était de savoir qui était le plus grand. Vous vous rappelez ou pas ? Quelqu'un peut lire vite fait seulement le contexte ? Dans Marc. Marc 10. Et même, excusez-moi, Marc 10, on va revenir. Alors, dans le contexte, on parlait, ça c'était pas encore par rapport au. C'était sur Marc 9 qui s'est énervé la première fois. Là, on parlait par rapport au divorce. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était le divorce, non ? Alors. Ces sujets-là, frères et sœurs, du divorce, ce n'est pas les parents qui sont le plus atteints, c'est les enfants. Les enfants dont les parents sont divorcés, c'est eux qui souffrent le plus. Lundi, dormir chez là-bas, le week-end, dormir là-bas. Là-bas, il y a des frères et sœurs, des fois, tes frères et sœurs de l'autre côté, des fois que tu les énerves de leur façon de faire. De l'autre côté, chez maman aussi, tu as d'autres frères et sœurs. De l'autre côté, tu as la belle maman qui ne te considère pas. De l'autre côté, tu as le beau papa qui ne te considère pas. De l'autre côté, ta mère est coincée parce que le beau-père ne t'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les histoires de divorce, les apôtres n'ont pas voulu que les enfants soient au courant. Or, c'était eux qui étaient le plus affectés. Et Jésus va signer la sonnette d'alarme. Laissez ces enfants-là, parce que c'est eux, vous êtes là en train de me fatiguer avec vos questions, mais en fait c'est vers eux, j'ai pitié de ces enfants, parce que c'est eux qui subissent. Ils grandissent avec ça, mais qu'est-ce qu'ils vont reproduire quand ils vont devenir grands ? Alléluia ! Quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont reproduire ? Parce qu'avant divorce, il y a quoi ? Il y a des coups ? L'enfant qui voit papa se faire taper sa mère, qu'est-ce qu'il va reproduire quand il va grandir ? Et là, les apôtres, ils vont hériter Jésus parce que à un moment ou l'autre, ils vont dire, Jésus, non, les enfants, on n'a pas besoin de vous. Si. Et même dans les divorces, est-ce que les enfants ont leur mot à dire, or que le divorce n'est pas biblique ? Déjà, pour commencer. Mais ceux qui étaient divorcés avant et qui ont des familles monoparentales, mais comment les enfants, c'est pas pratique. Des fois, l'enfant n'a même pas son mot à dire. Et Jésus, il voit ses enfants qui allaient venir. Il veut les prier pour eux. Mais là, tout de suite, on l'a voulu arrêter. Pourquoi Jésus fut indigné ? Parce qu'avant, on les a déjà réprimandés par rapport à la cause de l'enfant. Prenons Marc 9. Marc 9. Partir du verset 9, 27. 37, si quelqu'un a trouvé. Bon, je vais le lire, comme ça c'est fait. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je ne sais pas si vous comprenez la responsabilité des parents en tant que chrétiens face à l'éducation de nos enfants, comme le thème le disait, c'est qu'à un moment ou l'autre, nos enfants subissent des choses et qu'on se doit de les aider à grandir, les aider à s'épanouir. C'est nous qui avons cette responsabilité de les aider intellectuellement, moralement, physiquement et surtout spirituellement en tant que chrétiens. Et là, le Seigneur, la première fois qu'il va s'hériter par rapport aux apôtres, dans Marc 9, verset 37, La Bible me dit, quiconque, là, dans le contexte, je vais essayer d'expliquer vite le contexte.
Dans Marc, on fait Marc 9, 33, le verset 37 qui m'intéresse, qui dit « Quiconque reçoit en mon nom l'un de ces petits-enfants me reçoit, et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Là, dans le contexte, pour essayer d'aller un peu plus vite, rappelez-vous le casse-tête des disciples. À un moment donné, les disciples veulent savoir qui est le plus grand. À un moment donné, les disciples voulaient trop être dans l'œuvre. Non, moi, je suis à 100% dans l'œuvre. Moi, je fais des missions par-ci, par-là. Mais on oublie les enfants. À un moment l'autre, les disciples voulaient savoir qui était le plus grand, vrai ou fou. La Bible me dit que dans leur parcours, ils marchaient. Jésus était devant, Jésus ne calculait rien, mais derrière, ils commençaient à dire c'est moi le plus grand. Hein, vous voyez, vous connaissez cette histoire ou pas? Comme je disais l'autre fois, c'est que Matthieu il va être le premier, il va dire ah, l'œuvre a besoin de l'argent. Vous savez que moi j'étais un collecteur d'impôts, moi je sais comment avoir l'argent. Alors moi Jésus, comme Jésus il avançait, il ne calculait pas, il les laissait un peu parler derrière. Alors eux ils étaient là en train de se dire moi Jésus, c'est moi qui l'aime le plus. L'autre, il va dire, c'est moi qui ramène l'argent dans l'œuvre. Je lui dis, il va dire, toi, tu ramènes l'argent, mais c'est qui les garde? C'est moi, même s'il volait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous rappellerait ça dans nos églises aujourd'hui? Si on veut parler de l'église un peu? Qui est le plus grand, la meilleure église de France, les plus grandes églises, les plus grandes onctions, le meilleur docteur de la parole? Ça vous dit rien, ça? Celui qui dort à côté de Jésus, voilà, ça vous dit rien, ces histoires-là? L'état de l'église aujourd'hui? On laisse se préoccuper des enfants? Quand les enfants arrivent à approcher Jésus, ils disent « Oh non !» Philippe, vous pouvez même dire « Écoute, moi je suis le premier évangéliste de l'œuvre de Jésus. C'est moi qui ai ramené le premier gars, là, Nathanaël. C'est moi qui l'ai évangélisé. » Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand je dis ça, en fait, je me rends compte que l'histoire se répète. Même aujourd'hui, oh, l'histoire se répète. Qui va être le plus fort? Qui va être le plus grand? En fait, il n'y avait plus d'humilité. Et là, les enfants, Jésus va s'arrêter un peu, va leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez dit entre vous? La Bible dit quoi? Quelqu'un peut le lire? Verset 33 à 34. Marc 9, verset 33. Après ces choses, il vient à Capernaum, et quand il fut arrivé à la maison, il leur demanda, de quoi discutiez-vous ensemble en chemin? Mais ils gardèrent le silence car ils avaient discuté entre eux en chemin sur celui qui serait le plus grand. Mmh. Alors ils gardaient le silence. C'était même pas l'audace de dire à Jésus clairement, nous on est en train de se battre, on voulait savoir c'est qui va gérer ton œuvre quand tu vas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas vrais. L'histoire se répète. Comprendront ceux qui doivent comprendre. Ok, on continue. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Mmh. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom, un de ces petits-enfants me reçoit, et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçoit, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Là, Jésus va leur montrer comment on lui voit les enfants. Il dit, « Vous faites, je vous ai entendu. Ouais. » J'ai entendu vos murmures, comment vous vous comprenez comme des enfants, vous vous comportez comme des enfants dans les coulisses, dans le secret. En fait, c'est pas de vous comporter comme des enfants dans une folie, mais je veux que vous ayez ce cœur d'un enfant. Je sais pas si je me fais comprendre. Il disait pas que quand il a pris l'enfant, il a dit ce cœur humble. Ce cœur d'un enfant, tu peux lui donner la verge, mais s'il sait que tu l'as fait pour l'aider, il va revenir vers toi. Et il va essayer de recadrer ces choses. Et là, ce qui va se passer, c'est que Jésus va prendre un petit enfant, il va le mettre au milieu d'eux pour leur faire comprendre l'importance que Jésus, comment Jésus voyait les enfants. Comment Jésus, son cœur bouillonnait pour les enfants. Quiconque va le recevoir me recevra. Vous allez me dire, ouais, mais Jésus, mais est-ce que. Vous allez me dire, oui, mais Lucien, mais est-ce que pour autant il devait s'énerver? Oui, il devait s'énerver. Parce que si je vais expliquer le contexte, Jésus, vous savez quand il est né? Qu'est-ce qui s'est passé avec les bébés? Vous vous rappelez ou pas? Tous les enfants qu'on a tués quand il est né. Tous les bébés. Et lui, il a été épargné. Or, c'est à cause de lui qu'on avait tué tous ses enfants. Vous savez ce qui se passe dans le monde? Ces enfants qui sont victimes de. Où les parents étaient victimes des viols, où il y en a. Il y a des choses même que je peux même pas dire. Tous les enfants qu'on tue.
tous les morts-nés, tous les enfants au fait qu'on jette dans des poubelles. Et vous pensez que Jésus va rester comme ça? En Israël, on a liquidé, à sa naissance, on a liquidé tous les bébés. Lui, il a dû fuir en Égypte. C'est pour cela la cause de l'enfant. L'enfant le tient à cœur. Jésus ne s'énerve pas pour s'énerver. Alléluia. S'il s'est énervé parce qu'il sait, ce que les enfants ont vécu. Il sait qu'un enfant de famille divorcée, ce qu'ils vivent. Il sait les enfants soldats, ce qu'ils vivent. Et il ne peut pas rester. Il sait ce qu'un enfant orphelin, que les parents ne veulent plus aider, se vivre. C'est pour cela que les enfants qu'il nous confie, on doit en prendre soin. Et c'est pour cela qu'il s'est énervé. Alléluia. De 0 à 12 ans, il y avait un travail. Et les apôtres, là, il va le recadrer, en Marc 9. Mais ils ne vont pas prêter attention à une autre discussion quand il va vouloir virer les enfants. Et Jésus fut indigné. Parce qu'il nous dit dans Psaume, Psaume 8, verset 3. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, tu as fondé ta puissance à cause de tes adversaires afin de faire cesser l'ennemi, le vindicatif. Par les petits-enfants et de ceux qui têtent, tu formes ta puissance. C'est-à-dire, si ton enfant se comporte bien, si ton enfant est en forme, Dieu, ça lui donne de la force parce que Dieu peut utiliser un petit-enfant pour se glorifier. Arrêtons de dire que nos enfants, c'est l'église de demain. Non, c'est l'église de maintenant. Parce que Dieu peut les utiliser au nom de Jésus. Et à l'âge de 12 ans, la Bible me dit que Jésus fermait la bouche aux contradicteurs dans le temple. Il n'avait pas 40 ans, il n'avait que 12 ans. C'est-à-dire, avant d'arriver à ces 12 ans-là, avant, il y a eu une formation. Alléluia. C'est pour cela que Jésus fut indigné. Son cœur pleure, déchire quand il voit des enfants dans nos églises, on ne leur donne même plus la parole. Et quand il voit que malgré des choses que le monde est en train de préparer, beaucoup de parents ne sont pas alertés. Beaucoup de parents ne... C'est comme si, bon, j'ai un enfant, ben, adviendra ce qu'il pourra, ou comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous, selon le monde. Non, on doit... Moi, je me suis dit, j'ai pris une pause. Je dis, Seigneur, peu importe ce que je dois faire, mais je dois prendre le temps pour mes enfants. Je dois prendre le temps de parler à mes enfants. Et pas de moi d'être un roi lion à la maison. Parce que des fois, le mal veut revenir en galop. Quand ça revient, là, le Seigneur lui-même te corrige. Et si on demande la force au Seigneur, le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alléluia. Ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui, c'est que oui, on se doit, de prendre l'enfant jusqu'à 12 ans, prendre soin. Alors vous allez me dire, si là vous avez fait l'affaire jusqu'à 12 ans, à 12 ans, il aura des repères. C'est pour cela qu'on dit... Instruit les jeunes enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Les jeunes adultes même, la Bible nous dit. Hein. Je disais ça ce matin, je dis, mais en fait, c'est même pas jeune enfant, c'est jeune adulte. Parce que déjà, le parent avancé devrait faire un réel travail. Et je vous ai dit tout à l'heure, même s'il y a la paganisation, même s'il y a le soi-disant l'éducation sexuelle, tout ce que vous voulez, parce qu'on aurait fait un travail à la maison. Celui qui ne veut pas se préparer par rapport à toutes ces choses, quand ça va arriver, il ne faudra pas dire, Seigneur, on ne le savait pas. Il ne faudra pas commencer à prier, pleurer, commencer à se préparer. C'est maintenant qu'il faut qu'on se prépare, frères et sœurs. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'elle voulait injecter ça de maternelle à primaire. Elle a vu qu'il y a des parents qui se sont dressés. Ils ont repoussé au moins au collège. Et comme l'âge sexuel en France est 15 ans, mais malgré ça, si nous ne faisons pas un travail dans nos maisons, si nous ne prenons pas le cahier des textes de nos enfants, si nous ne prenons pas le temps de parler à nos enfants. Je ne vous dis pas chaque jour maintenant commencer à les cribler. Qu'est-ce que tu avais ? Qu'est-ce que ta maîtresse t'a dit ? Attends. Non ! Avec l'aide de l'Esprit, le Seigneur va nous aider à avoir un cadre au nom de Jésus. Sinon, Dieu va nous demander des comptes par rapport à nos enfants. Non, je suis tellement chargé, je suis tellement évangéliste interplanétaire, je vais tellement sur Mars, je prêche tout ce que tu veux. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais prends un temps pour tes enfants. Prenons un temps. Culte de famille. Enfin, peut-être pas que le dimanche, mais prends un temps. Parce qu'après, tu regretteras. Parce que l'école va s'en charger de ton enfant.
Et des fois, maintenant, c'est plus une éducation civique. Ça peut même être prof de français, ça peut même être prof de musique. Par rapport à ces tendances, il le fera. Et il faut des associations agréées qui donneront cette éducation sexuelle. Et des associations agréées, c'est des associations que vous connaissez qui ont de mauvaises mœurs. Et qu'est-ce qu'on fait, chrétien ? Alléluia ! C'est bien. Je crois au Seigneur. Mais on doit être équilibré au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne nous a pas confié des enfants pour qu'on les voit se perdre. Et c'est tellement une fierté d'un parent. En tout cas, je ne l'ai pas encore vécu. Je dis, Seigneur, je ne demande pas l'argent, je demande rien. Mais seulement, permet que je vois les trois, mes petits-fils et mes fils mariés. Et puis là, c'est bon, tu peux me prendre. Mais tant que je n'ai pas vu ça, Seigneur, pardon, je suis encore là. Satan t'a menti au nom de Jésus. Et je sais, même si on va le voir au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'on se force dans la crainte de Dieu. Parce qu'on sait que tu es réel. Et je sais qu'on a des bouts de choux. Je sais qu'on a tous des enfants, en tout cas. Mais si on n'a pas d'enfants, on a des cousins, des cousines, des nièces qui nous comportent comme nos enfants. Et on se doit de faire un relais parce qu'ils ne sont pas chrétiens, nos parents, parce que nos familles ne sont pas des chrétiens. On se doit leur donner l'éducation, c'est apporter des valeurs, des mœurs. Et quelles sont les mœurs que nos enfants prennent ? De l'autre côté, des autres associations qui ont opinion sur eux, qui font du lobbying et qu'on les laisse gérer les choses. Ou une personne, même quand tu regardes sa propre vie, elle-même, elle était déjà à l'ouest. Son père était à l'ouest écrire des livres bizarres. Elle-même à l'ouest. Et c'est ça que vous voulez. Et ce qui me chagrine encore plus, c'est de voir, nous, parents chrétiens, on ne se lève pas. On n'a pas dit d'aller changer le monde. On dit déjà changer notre maison. Parce que Lot n'a pas pu changer Sodome. Mais en tout cas, ses filles ont pu se préserver chez lui. Et la Bible me dit les enfants de Lot, les filles de Lot étaient... dans... Quand j'ai lu ça, en fait... malgré qu'elle pouvait s'exciter, tout ça, j'ai dit, OK, à cause des autres enfants, on va militer. Mais d'abord, à la maison, là, il n'y aura rien au nom de Jésus. Parce que quand ils vont apprendre ça des vos enfants, là, ils vont les tester où ? Ça vous allez... En fait, quand je vois même des parents, j'ai repris une soeur parce qu'à un moment, on me dit, oh, de toute façon, le frère, c'est des fake news. Je dis, mais toi, tu dis fake news, tu n'as même pas vérifié. Déjà, je ne vais même pas parler parce que tu ne sais pas porter. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais... aujourd'hui, là, quand mon enfant, tous même, là, je dis, Seigneur, aide-moi. Hier, on était tes champions à mettre des claques aux enfants des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on ne savait pas des trucs. Mais aujourd'hui, on a compris que porter, avoir un enfant, ce n'est pas la besoin d'une sécurité, d'un confort. Et si on ne se le donne pas, il ne faudra pas reprocher à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais chacun aura son témoignage quand il va grandir. Ton témoignage, tu pourras avoir la force. Mais ton enfant, Dieu, il donne des capacités parce qu'il sait que toi, tu peux l'aider à grandir. Ça fait mal de voir beaucoup d'enfants qui chantaient avec nous à l'église, ils repartent dans le monde. Pas plus tard, là, j'ai revu encore d'autres dans un deuil. J'ai dit, mais Seigneur, mais aide-nous. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous, encore, on a connu Jésus grand, à 18 ans, ils ont bébé, mais quand ils grandissent, ils lâchent. Parce qu'à un moment ou l'autre, les parents ont lâché leur responsabilité. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, frère et soeur. C'est parce qu'à un moment ou l'autre, ça ne nous intéresse plus, ces choses-là. Vous allez me dire, c'est pour cela, nous en tout cas, à notre niveau, on s'est dit au niveau du pain quotidien, on essaiera d'apporter des enseignements pour essayer de nous aider à aller de l'avant, de reprendre notre place au nom de Jésus. Au moins, devant le Seigneur, je dis, Seigneur, tu m'avais donné cette cabane, ces dons, j'ai fait ce que j'avais à faire. On prêche dans le désert, celui qui écoute, écoute, celui qui ne veut pas. De toute façon, Jésus, il est tellement gentleman, il n'a jamais forcé quelqu'un. Mais frère, la France que nous habitons va quelque part. Notre président, beaucoup de choses, voilà, chacun a des missions. Et je ne suis pas BFM ou quoi que ce soit pour voir certains trucs. Tout est là, mes frères. On se doit de refaire un travail pour que nos enfants grandissent dans des bonnes conditions et qu'ils se développent correctement au nom de Jésus, avec des valeurs chrétiennes, par la grâce de Dieu. C'est possible. Même si ce n'est pas organisé dehors, la Bible me dit que Marie, elle habitait à Nazareth. C'est-à-dire que Nazareth, c'était un village. En gros, on peut, dans notre sphère, garder la crainte de Dieu. C'est possible. C'est possible au nom de Jésus. Au-delà de nous et nos enfants. C'est pour ça que Josué, à un moment l'autre, il s'est fatigué. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire simplement, lui et sa maison serviront le Seigneur ? Le reste, ça n'appartient qu'à Dieu. Rendez-vous au ciel, on saura qui était qui. Ici, ce n'est pas le temps de parler. Non. Aujourd'hui, je suis aguerri. Parler avec quelqu'un, je ne peux même plus, je n'ai pas le temps.
c'est au ciel, on verra qui était qui. Déjà, la personne qui veut te faire par là, il faut le voir déjà là-haut. Mais toi, bats-toi pour toi et ta famille, tes enfants, aller au ciel au nom de Jésus. Nous ne nous battons plus pour les futilités. Battons-nous, je dis, Seigneur, je fléchis, s'il faut jeûner. Parce que, comme la sœur disait, si l'enfant n'écoute pas, mon frère, c'est la bonne occasion de faire une retraite de 40 jours pour la vie de tes enfants. Dès qu'il dort, parce que. Oh non, il faut laisser, il faut laisser. Il y a tellement de témoignages. À un moment, pour finir, donner un témoignage. Mon enfant avait une difficulté il était un peu chaud. Quand il était petit, depuis la crèche, il était chaud. Et on me disait, non, lui, ta. Et... il disait jamais bonjour. C'était toujours. Je faisais, ah. Moi, je prie, j'ai fait de tes crânes. Le petit, là, je vois que. Oh. Ça, c'est des anciens démons, l'ancien, là, c'est pas normal, Seigneur. Ça va être. Ok, tous les liens sont coupés. Je dis, on va rentrer en prière. On a prié. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je dis, mais. Les gens, ils comprennent pas, ils le voient, mais il est trop doux. Il dit, frère, on est passé par quelque chose. On a crié à Dieu et Dieu a fait. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a tellement de sujets de prière. Et ça fait partie de l'un de nos premiers sujets, c'est d'abord nos enfants. Nous-mêmes, nos enfants, et après l'extérieur. Ça commence à Jérusalem, frère. Que Dieu nous aide. C'est un peu ce que je voulais dire pour notre premier temps de partage sur la famille. Dieu aime les enfants. Dieu, c'est la première personne. Et moi, je l'ai dit, hein, moi-même, quand j'essaye, des fois, je m'écarte de ma façon de faire avec eux. Dieu me recadre personnellement. Je préfère avoir un problème avec vous qu'avec Dieu. Et je le crois par la grâce du Seigneur. Il y a d'autres témoignages. Ou quand on voit même par rapport à l'école, comment Dieu fait grâce, comment il excelle. L'ennemi, des fois, il essaye. Mais frère, si toi-même, la Bible dit qu'on ne peut pas dépouiller la maison si l'homme fort de la maison est clean. C'est-à-dire les parents, s'ils sont corrects avec Dieu, ça suivra au nom de Jésus. S'il y a des choses qui ne vont pas, prions au Seigneur, fermons les portes, les enfants seront préservés au nom de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, nous venons devant de toi, Seigneur, te remettre nos enfants, Seigneur, et reprendre notre responsabilité, Père de gloire. Seigneur, toi, tu aimes nos enfants plus que nous-mêmes, c'est vrai, Père de gloire. Et tu nous les confies simplement jusqu'à leur adolescence, Seigneur, jusqu'ils seront en capacité de se défendre seuls, Seigneur. L'éducation, c'est le moyen, Seigneur, de voir que tu nous donnes pour les aider à aller de l'avant, parce que eux seuls ne peuvent pas. La folie, Seigneur, de l'enfant, Seigneur, leur pousse à poser des actes, Seigneur. Mais Père, je crois à la puissance de la prière. Je crois à la puissance à ton nom, Seigneur de gloire. Je crois, mon Dieu, mon roi Père, que tu es en capacité de les aider à aller à répondre à l'appel au nom de Jésus, comme tu as fait avec Philippe et ses filles, Seigneur de gloire. Je crois au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, comme Lot, là où il y avait la Père de gloire, la perfection, Seigneur de gloire. Là où il y avait, Seigneur de gloire, Père, oh, le péché à un niveau, Seigneur de gloire. Mais Père, t'as préservé les filles de Lot. Je crois que tu pourras préserver nos enfants, Seigneur, dans ce monde corrompu, dans ce monde pervers, dans ce monde qui croit à sa perte. Père, c'est possible au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les parents, Seigneur de gloire. Aide-nous à reprendre notre manteau. Aide-nous à reprendre notre autorité. Aide-nous à reprendre, Seigneur de gloire, mon Dieu. Père, oh, les capacités que tu nous donnes en tant que parents à aimer premièrement nos enfants et à les inculquer ta pensée, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, c'est possible, Seigneur de gloire, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur de gloire, à reprendre notre flambeau, à reprendre, Seigneur de gloire, notre autorité. Oh, Seigneur, reprends-nous l'amour pour nos enfants. L'amour pour nos enfants, Seigneur de gloire. Père, aide-nous, Seigneur, à reprendre notre place. Seigneur, au nom de Jésus. Père, tu es fidèle. Merci pour ce temps que tu permets. Aide-nous à mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, nous avons compris ton regard vers nos enfants, Seigneur. C'est plus que nous, notre amour envers nos enfants, Père de gloire. Aide-nous à porter l'équilibre, Seigneur de gloire. Aide-nous le bâton quand il le faut. Et surtout à porter l'amour quand il le faut, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Simplement les aider à répondre à leur tour à l'appel, Père de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Un dernier passage dans Colossiens 3 qui nous parle aussi comment on doit aimer nos enfants.
3, 20, 21. Colossiens 3, 20, 21. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Ok. Ne décourageons pas nos enfants au nom de Jésus. C'est des vainqueurs et c'est comment vous allez voir vos enfants, c'est comment eux vont devenir. Parce que ça commence à la tête. En les encourageant, en leur donnant de la force, en leur criant à Dieu pour eux, en leur disant que c'est possible, ben ils vont être des enfants optimistes. C'est-à-dire des enfants qui vont croire avec la foi et ils iront loin au nom de Jésus. Que Dieu nous garde. Oui, une question. C'est par rapport à l'irritation et le fait de répéter, comme par rapport à la sœur, elle disait. Il y a aussi une manière aussi de répéter les choses. Parce qu'après, on voit par exemple dans nos familles, il y a parfois cette brutalité dans les paroles et la manière donc aussi, ça irrite l'enfant. Donc je ne sais pas du tout, est-ce qu'il faut toujours garder un temps de manière, garder ce temps tout doux, toujours parler avec cette douceur ou bien, parce qu'à un moment donné, quand l'enfant n'écoute pas, on voit que ben, le temps aussi des parents monte. Et ça crée aussi ce conflit entre les enfants par la suite. Après, c'est de faire un relais. C'est pas toujours pratique. Par exemple, si le papa il voit que ça passe, voilà, ça crie, il crie. Moi, on faut se dire après. Si je donne un exemple, après, je dois penser aussi aux parents, aux familles monoparentales. Je vais simplement dire que je veux faire confiance à l'esprit. Ça fait peut-être chaud ce que je suis en train de dire, mais faire confiance à l'esprit. L'esprit nous dit là, il faut passer à une autre vitesse. Et l'esprit aussi nous dit, en tout cas le Seigneur nous donne la conviction, là, il faut laisser. Mais je ne peux pas donner la température, dire c'est quand il faut 4 fois, parce qu'il y en a des fois, c'est ça suffit. Si tu continues, tu vas en prendre une. Ben, il continue encore. Bon, là, c'est la. Dans 2 minutes, je vais le prendre. Il continue encore. À un moment ou l'autre. Aide-le. Parce qu'il continue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si tu dis dans 2, 3, bon, là, bon, arrête. Bon, j'ai pas le choix. Bon. Non, mais là, tu casses ton autorité. Si l'enfant, il sait que, ah, là, maman, quand elle dit 2 fois, le troisième, c'est bon. Parce que l'enfant, à cette tranche-là, ils veulent tester, pousser les limites. S'ils voient que, ah, papa, lui, quand c'est bon, il regarde. Deuxième fois, troisième fois, il fait, ils ne vont pas aller dans le 3, ils vont rester dans le 2. Mais s'il sait que papa, lui, c'est toujours ça suffit. Non, mais là, maintenant, tu vas en prendre une. Mais là, non, mais là, ça va arriver. Là, bientôt, ça devient un jeu. Il n'y a que la main qui part comme ça, mais jamais c'est parti jusqu'à. Non, ça devient un jeu. Et vous allez voir, même, il y a des enfants qui rigolent. Là, c'est fini. Parce qu'il sait que papa. Voilà. Mais s'il sait que papa, il rigole, il te regarde, il rigole. Il sait que, parce que l'enfant, le Seigneur a mis en tout un chacun la pensée de l'éternité, en fait, de la conscience. Même quand un chien il a mal agi, il sait qu'il a mal agi. À plus forte raison de nos enfants. Mais alors, quand il voit que papa, il dit une fois, deux fois, il ne le fait pas, ça devient un jeu. Et quand tu casses cette autorité-là, avec le Seigneur qui peut le restaurer, après, tu peux aller dans une autre extrême, mais ce n'est pas bon. Et l'autre extrême, c'est comme il disait tout à l'heure, Proverbe 22, tu peux, sans faire exprès, tu peux donner un coup et ça peut être fatal. Et ce n'est pas bon. Parce que tu as trop laissé déborder. C'est pour cela que je vous ai donné des tranches d'âge. C'est à cet âge-là qu'il faut vraiment mettre le cadre. De 0 à 12 ans. Voilà. J'ai une question. Du coup, moi aussi, je pense que c'est important aussi que ce ne soit pas toujours l'un ou l'autre parent qui réprimande. Parce que ça, après, ça fait le gentil et ça fait le méchant dans la tête de l'enfant, en fait. Donc, comment... Équilibrer. C'est vrai qu'après, même si à l'égalité de... Il y en a qui militent pour ça. Après, dans la hiérarchie divine, Dieu met l'homme et le chef de la maison. C'est-à-dire qu'il a cette autorité-là déjà naturelle. Et l'enfant doit le ressentir. Même si aujourd'hui, il y en a qui militent de l'autre côté, ça c'est leur problème. Nous, on reste dans les mœurs chrétiennes. En tant que chrétiens, avec nos valeurs, c'est l'homme.
comme on dit, le bâton et la roulette. Il faut aussi la roulette. Trop de bâton, ça peut endurcir l'enfant et ça le ramène dans l'autre extrême. Mais maintenant, le bâton doit aussi savoir que comment équilibrer. Et la roulette aussi, qui est maman, doit aussi savoir comment équilibrer. Tout ça pour aider l'enfant à aller de l'avant. Si le bâton, il est toujours là, pam, 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 pam. Je n'ai pas dit que le papa, parce que c'est l'autorité, c'est le cadre. Il aura toujours peut-être cette petite tendance. Voilà. Mais maintenant, à maman, de l'aider aussi. Et maman, papa, doit aussi aider maman. Je vais donner, on va être concret. Papa, quand il va recadrer l'enfant, maman ne va pas dire non, 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 c'est ma fille, c'est mon bébé. Et quand maman est en train de mettre, comment on appelle ça, de chuchoter l'enfant, moi je vais non, viens ici, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'enfant a besoin aussi de sentir cette complémentarité. Ce n'est pas toujours pratique, mais il doit sentir cette complémentarité-là pour l'aider à grandir. Parce qu'il a besoin des deux. On ne veut pas dire que papa ne se transforme pas à maman, que maman ne se transforme pas à papa. Moi, je parle de valeurs chrétiennes. Hein. Après, les autres, là, voilà, on connaît aujourd'hui, là, c'est pas pratique. C'est ça quand c'est filmé. Voilà. Mais dans nos valeurs, le chef de la maison, c'est l'homme. L'homme, en tant que chef, il met le cadre. Mais dans son cadre, il verra que c'est plus, comme le Seigneur aussi, plus il aimera, plus aussi les choses iront tout seul. C'est-à-dire que ce cadre-là d'autorité, c'est pas pour détruire. Je dirais, c'est plus pour aider l'enfant à aller de l'avant. Mais dire que, bon, les deux doivent en même temps cogner, mettre le cadre, les deux doivent aussi en même temps aimer, bien sûr, il nous faut les deux. Mais l'homme aura plus ce côté un peu d'autorité, de mettre plus le cadre, et la femme aura plus ce côté de douceur, et ça amène une complémentarité dans la vie, de la croissance de l'enfant. Parce que s'il n'y a que l'autorité, l'enfant aussi peut se perdre. Voilà. Une dernière question, oui. En fait, quand la sœur a parlé, je me disais, mais en fait, les parents, en répétant, parce qu'on disait, elle n'irritait pas l'enfant, mais les parents, ils peuvent s'irriter eux-mêmes, en fait. Le fait de se répéter. De se répéter à chaque fois. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on passe le relais. On passe le relais. Parce que, en fait, le fait de répéter, non, mais je t'ai déjà dit, et là, ça peut aller vite. On est humain, hein. Faut pas se mentir, on est humain et à force de répéter, à un moment ou l'autre. Alors maintenant, à l'autre de reprendre le relais. Sinon, t'as vu ou attendre que ça se passe mal, t'as vu, je savais, hein. Tiens, tu gères mal, c'est moi qui gère mieux. Non, on évitons ces choses parce que ça n'aide pas l'enfant en fait. Voilà, parce que quand il va savoir que votre petite faille, ils vont jouer dessus pour Ils vont jouer avec ça, en fait. Que le Seigneur nous aide. Si Dieu permet, la prochaine fois, ça va être un temps d'animation avec les enfants, ou c'est des vacances, si je ne me trompe pas. Voilà, on essaiera, et nous, dans notre trimestre, on essaiera, en tout cas, nous, chaque trimestre, de se voir comme ça pendant 2 heures, parler sur ces thématiques. Parce que ce que nous, on a à cœur au niveau du pain quotidien, voir les parents, et on verra comment... Toujours, bien sûr, à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Voilà, nous, c'est un peu du social. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde qu'on essaiera, nous, d'apporter des lumières. Voilà, nous, on était beaucoup interpellés par rapport à des injonctions de la secrétaire d'État à l'égalité. Et on s'est dit qu'en tout cas, on devait, nous, se voir en tant que parents. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et pour finir avec ça, vous devez, en tant que parents, parce que c'était ça qui avait un peu marqué la polémique, vous devez, en tant que parents, être soit délégué parents. C'est des petites choses, parce qu'on est dans le pratico-pratique, délégué parents-élèves. Soit vous faites une structure autonome, soit vous êtes dans une structure qui est un peu plus reconnue qu'élèves CPE, pour savoir comment ça se passe à l'école. Et vous allez, pour l'avoir expérimenté, quand tu es en tant que parent-élève, ton enfant est tranquille. Parce qu'ils savent que papa, il est souvent là. Et quand on vole, bien sûr, toi, crie le Seigneur, aide ton enfant aussi à la maison pour pas que papa est délégué et puis l'enfant fait n'importe quoi à l'école. Non, je parle pas de ça. Parents, l'enfant, par la grâce de Dieu, un très bon témoignage. Et tu es parent délégué. Tout ce qui se passe à l'école, tu le sais. Le programme, tu le sais. Parce que tu as des réunions avec les profs chaque trimestre. La programmation de l'école, tu le sais. Les cours, tu le sais. Et par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, tu peux le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on passe maintenant du pratico-pratique. Devenez parent délégué. C'est très important. Vous allez me dire, vous n'avez peut-être pas le temps, mais prenez le temps de vous intéresser au moins. Dans la vie de vos enfants, qu'est-ce qui se passe à l'école?
nous, on l'expérimente en tout cas, et dans ce côté, on n'a pas de problème en tout cas. Et on a su pourquoi. Parce que si je viens en tant que personne, le prof ne peut ne pas te répondre. Mais si tu viens en tant qu'institution, là, les profs sont dans l'obligation de te répondre par rapport à la programmation, par rapport à ce qui se met en place, par rapport au prof. Si tu as un prof à réprimander, tu vois qu'il y a des choses qui se passent mal, tu peux te lever en tant que parent délégué et ils peuvent te rendre des comptes. C'est très important, frères et sœurs. C'est pas, ne soyons pas, Dieu va faire, de toute façon, c'était écrit. Oh. Bon, c'était écrit aussi qu'il y en a qui vont être sauvés, qui ne vont pas être sauvés. Tout ça, c'est déjà écrit. Mais comme ce n'est pas encore le temps, il y a des enfants qu'on doit les préserver de notre action. Moi, je le dis clairement, si beaucoup de choses ont été repoussées aujourd'hui, parce qu'il y en a qui se sont levés. Et je peux vous dire aussi les noms de la chrétienté, les gens avant nous, nos pères de la foi, qui se sont levés pour que les choses changent. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, par rapport au projet sociétal, là, que faire que les choses changent? Bien sûr, le temps de préparer quelque chose derrière. Ce n'est pas que ça change et nous, on reste là, on dit alléluia. Non, parce que là, je vois, ça n'a pas eu lieu, tout le monde est content, mais il n'y a pas d'action qui se met en place. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de travailler aujourd'hui sur une école chrétienne, par exemple. Clairement. Privé, pourquoi on ne le fait pas, frères et sœurs? Bon, le pain quotidien ne peut pas tout faire, mais à un moment donné, il n'y a personne qui a cette idée-là. Qu'on s'organise, qu'on l'aide et puis qu'il aille de l'avant. Et tous nos enfants, on les bombarde dedans. Il n'y a pas. Parce qu'en tant qu'école privée, même si tu es chrétienne, tu peux recevoir de l'argent. Oui, des subventionnements pour... On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout répondre. Nous, on est un peu comme des généralistes, mais il n'y a pas des gens qui peuvent se spécialiser dans des domaines. Il y a ce plein, il y a la réflexion, il y a l'action. Voilà. Ce n'est pas simplement réflexion après, alléluia, merci Seigneur, nos enfants sont épargnés, apparemment c'était un fake news. Non, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi est prêt. Ils sont obligés d'accomplir leur plan, leur projet, que vous le voulez ou pas, ils vont le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour épargner nos enfants? C'est des petits sujets que je donne à vous pour finir aujourd'hui. C'est préparons-nous de mettre en place des écoles chrétiennes, des centres de vacances chrétiens où nos enfants peuvent se ressourcer, connaître des autres enfants, des frères et sœurs. Est-ce que maintenant dans nos assemblées, nos enfants se parlent entre eux? Est-ce qu'ils ont le temps? Ils peuvent parler de vacances, se connaître? Parce que vous les laissez avec des petits qui, avec Internet, ils sont déjà très loin avec leur smartphone, où nous laissons nos enfants avec eux. Après, vous ne pouvez pas s'étonner. Tu vas vouloir mettre un cadre à la maison, mais si dehors, son voisin lui demande des choses parce qu'il n'est pas en connexion avec des jeunes chrétiens comme lui, oui. C'est pour cela qu'au pain quotidien, nous essayons à notre niveau de mettre en place des temps de récréation. Ce n'est pas pour rien. Un temps, ils vont aller peut-être voir un film ensemble, voilà, faire des choses pour les aider. Comme en décembre, là, chaque décembre, ils vont à la patinoire. Ce n'est pas pour aller faire de la patinoire. C'est pour après aussi voir les autres jeunes s'échanger les numéros parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Parce que la Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que vous le voulez ou pas. On réfléchit. Que Dieu nous aide. Bref, il y a beaucoup de choses à développer. Je reste pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.